Thank you.
Thank you.
Bonjour à tous. Jules, s'il vous plaît. Bon, je pense que celui-ci marche. Dans quel pays aura lieu
le prochain coup d'État militaire en Afrique? Combien de morts vont encore nous servir les différents groupes terroristes dans les minutes, heures et jours à venir? Comment en seulement quelques années, l'Afrique est devenue le cœur du terrorisme mondial? Pourquoi, malgré Serval, Barkhane, Takuba, G5 Sahel, MINUSMA, pourtant composés des armées les plus puissantes du monde, le terrorisme, au lieu de reculer, a plutôt progressé en Afrique? Autant de questions et bien d'autres qui nous renseignent suffisamment sur l'état de notre continent aujourd'hui. Oui, l'Afrique va mal, et c'est le moins que l'on puisse dire. Et face à cela, plusieurs attitudes sont envisageables. Du déni à la fatalité, en passant par les jugements de valeur. Mais nous, à Mansa, nous avons choisi la disruption. C'est une expression que vous allez beaucoup entendre cet après-midi et dans les jours à venir. Et derrière son apparence complexe, il s'agit tout simplement de remettre en cause l'ordre établi, de questionner les dogmes et les certitudes qui nous ont longtemps été imposés. Pendant trop longtemps, l'Afrique s'est définie exclusivement par rapport aux autres. On nous a empêchés de réfléchir. On nous a empêchés de penser. On nous a empêchés de nous questionner. Cet après-midi, nous n'allons faire que ça. Nous allons nous poser des questions les plus absurdes, selon certains, les plus pertinentes, selon d'autres. Par exemple, la Terre est-elle vraiment ronde? Tourne-t-elle vraiment autour du Soleil? Emmanuel Macron dirige-t-il la France ou la CEDEAO? Dieu est-il sourd aux prières des Africains? Comment le continent où on prie le plus peut paradoxalement être le plus pauvre? Et si les militaires faisaient partie de la solution et non du problème? Et si l'Afrique refusait la démocratie? Ceci dit, Madame, Monsieur, à Mansa, nous sommes convaincus que l'Afrique ne sera pas détruite par ceux qui lui font du mal, mais par ceux qui regardent sans rien faire. Et malheureusement, ceux-là sont encore trop nombreux. Nous voulons donc vous inviter cet après-midi à mettre les pieds dans le plat. On ne peut pas faire la même chose chaque fois et espérer obtenir un résultat différent. Si vous êtes d'accord, je vous propose donc de prendre ce vol Mansa avec nous pour repenser ensemble notre continent. Eric Sonopo, bon après-midi. C'est la disruption. On est totalement disruptif. Je pense que tu peux venir vers moi. On va se partager le micro. Ce sont les aléas du direct. Je tiens à rappeler aussi que nous sommes en direct, notamment sur New World TV, notre partenaire, et sur toutes nos plateformes digitales. Erickson. Pardon, excuse-moi. Merci, Jules. Bonjour à tous. Un mot sur l'agenda pour la journée d'aujourd'hui. Jules vient vous de donner un mot d'accueil. Nous allons rapidement donner la parole à Alain pour un discours d'ouverture. Nous allons ensuite vous présenter les membres de Mansa. Nous allons passer quelques minutes à passer les contours du projet. On vous présentera nos commissions, qui sont nos groupes de travail. Et enfin, nous aurons une session de questions-réponses. Voilà, sans plus tarder, Alain, nous te laissons la parole pour le mot d'ouverture. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît.
fait du bien. Quelle est l'Afrique que nous voulons? Sérieusement, nous sommes tous conscients ici, chacun à son niveau, chacun dans son pays, chacun dans sa ville, dans son village, que les choses vont mal, très mal. Nous sommes tous d'accord pour dénoncer, pour critiquer, pour rejeter les conditions dans lesquelles nous vivons, la situation politique et sociale de l'Afrique. Même si nous aimons passionnément, très passionnément notre continent, on est conscient qu'il est un grand malade. On n'insulte personne en disant ça. S'il y a une chose pour laquelle nous sommes tous d'accord depuis des années, c'est que la situation actuelle de l'Afrique est mauvaise. Et cela quasiment sur tous les plans. Mais une fois qu'on a dit ça, on fait quoi? Une fois que nous avons exprimé notre déception, notre colère, que nous avons dit tout le mal que l'on pense de nos colonisateurs, de nos pilleurs, de nos gouvernants, de l'incurie de nos présidents qui souvent se prennent pour Dieu, de l'état de notre économie, de la déplorable situation sanitaire, de l'insécurité, du terrorisme qui avance comme un cancer, on fait quoi? On en parle depuis tellement d'années et pourtant, rien ne change, au contraire. La situation ne fait qu'empirer. Allons-nous continuer de geindre indéfiniment? Allons-nous continuer de pleurer sans réagir? Allons-nous céder un tel désastre, une telle ruine à nos enfants en nous justifiant toujours par le rôle réel, c'est vrai, joué par les autres dans cette déchéance? On n'a jamais vu un parent d'enfant handicapé échanger son enfant avec celui de son voisin. Jamais. Nous devons prendre soin de notre Afrique. Ce n'est pas une option, c'est une obligation. Mais si cela ne doit pas plaire à certains d'entre nous, il faut reconnaître que malgré la bonne volonté affichée, personne, ou presque, ne prend l'initiative de changer les choses. On regarde. Personne ne se dit « voici le rôle que je souhaite jouer pour faire évoluer la situation dans le bon sens. Voici le changement que je souhaite impulser. » Un peu comme si on attendait un messie venu d'une autre galaxie pour nous sortir de cette misère dans laquelle nous vivons. Personne ne viendra sauver l'Afrique. Personne ne viendra se préoccuper de l'héritage que nous allons léguer à nos nombreux enfants et petits-enfants. Seul l'Africain est maître de son destin. Il doit le comprendre. Ce n'est pas quelqu'un d'autre, c'est nous. Les discours très flatteurs sur l'aide que les autres nous apporteront sont des leurs. Et on doit le répéter régulièrement, des leurs. Celui qui vient nous voir vient pour son intérêt. Et c'est logique, c'est à nous de protéger nos intérêts. Personne ne vient parce qu'il nous aime. Personne. Personne ne prend son avion pour venir chez nous en disant « je vais les aider, ces pauvres nègres ». Non. Celui qui dit ça, ayez le courage de lui dire en face « on en a marre, arrêtez de nous mentir ». Vous venez pour quelque chose et qui vous disent clairement ce pourquoi il est venu. Et en même temps, personne ne désignera le Messie ou le leader qui sauvera notre continent. Chaque jour, nous attendons ce Messie, comme dans une certaine religion. Personne ne va nommer un Messie. Et c'est devant ce constat qu'avec des Africains, amoureux de leur continent, désireux de changer les choses en profondeur, d'en finir avec le goutte à goutte qui entretient la maladie, qu'est née Mansa, que nous venons vous présenter aujourd'hui. Bonjour et merci d'être là, à la fois dans cette majestueuse salle de l'hôtel 2 février de Lomé et en direct sur plusieurs chaînes panafricaines et sur nos différentes plateformes Mansa. Nous sommes en direct live, comme aiment dire mes enfants. Je veux tout de suite lever une équivoque, faire sauter une ambiguïté. Je sais qu'il y en a beaucoup qui l'attendent. Je veux tout de suite faire sauter cette ambiguïté. Une des informations que j'ai beaucoup écoutées et lues ces derniers jours. Comme ça, une fois pour toutes, ce sera réglé, soldé. J'ai beaucoup entendu depuis ma décision de quitter RFI il y a quelques jours que Mansa, c'est l'affaire d'Alain Foucault. Que Alain Foucault a démissionné de RFI pour créer et se consacrer à Mansa. Ça, c'est pour les plus gentils. Mais quel honneur! Quel honneur! Seulement,
Mansa dépasse largement mon petit être. Mansa, c'est l'affaire de 15 personnes, 15 subsahariens profondément amoureux de l'Afrique qui ont décidé de créer un espace, un outil structuré pour pouvoir ensemble repenser l'Afrique. Même si j'en suis la figure visible, Mansa n'est pas l'affaire d'Alain Foucault du tout. J'en suis un membre fondateur au même titre que les 15 autres personnes ici autour de moi. Ceux qui y voient le projet de la seconde partie de ma carrière devraient, je vous prie, attendre encore quelques semaines pour que je vous présente à faux le projet média qui est le mien. Il faut plutôt chercher de ce côté-là, pas du côté de Mansa. Mais aujourd'hui, il s'agit d'autre chose, d'une aventure collective beaucoup plus importante, beaucoup plus ambitieuse et sur la longue durée. Il s'agit, devant le constat d'échec patent que nous faisons, de repenser notre continent, sans avoir peur, sans complexe, avec suffisamment de courage pour remettre en cause les pensées, les concepts savamment distillés par l'école, les médias et autres, pour nous construire autour de nos réalités, de notre identité. Maintenant que la réalité nous a prouvé que nous avons compris que les dogmes, les règles, les modèles qui nous ont été imposés présentent leurs limites, leur obsolescence, qu'elles ne sont pas forcément adaptées à nous, qu'elles ne cadrent pas bien avec notre environnement, il est venu le moment, urgentissime, de concevoir notre propre projet, sans complexe, avec courage et avec détermination. On doit avoir peur de rien évoquer, on doit tout évoquer. En nous débarrassant de l'immense passif qui nous a été inculqué, de sortir du mimétisme qui nous caractérise avec cette propension que nous avons à annoncer, à répéter ce qui nous a été enseigné pour penser par nous-mêmes. D'arrêter de citer les penseurs, les théoriciens des autres, comme le font nos intellectuels, pour étaler l'immensité de leur savoir et concevoir nos propres idées. Penser par nous-mêmes. On n'est pas moins que les autres. Il n'y a pas besoin de citer Platon, Aristote et autres, et d'avoir honte de citer Kourouma, d'avoir honte de citer Bernard Dadier. Mais ça fait bien. Quand on parle d'Aristote, de Platon, quand on parle de tous ces grands penseurs, quand les gens se définissent comme keynésiens et autres, et qu'ils vivent dans le noir sans électricité. En somme, il est venu le moment d'élaborer notre modèle, une tâche qui nous incombe à tous. Plus personne ne doit la déléguer à l'autre, comme nous l'avons fait pendant tout ce temps. Si les autres l'ont fait chez eux, il n'y a pas de raison que nous n'en soyons pas capables. Pour pouvoir avancer, il faut définir une destination. Nous devons la tracer avec beaucoup d'ambition. Nous devons sortir des concepts de lutte contre la pauvreté dans lesquels nous nous sommes enfermés si longtemps sous les conseils des grandes institutions internationales pour envisager clairement de nous inscrire dans la prospérité. Chers amis des institutions internationales, nous voulons penser par nous-mêmes. Gardez vos aides pour vous, s'il vous plaît. Nous aussi, nous avons besoin d'être prospères. Nous ne voulons plus lutter contre la pauvreté. Nous souhaitons à notre tour, sans honte, dominer le monde, être collectivement riches. C'est notre droit d'y penser et nous en avons largement le potentiel. Il suffit de définir clair et courageuse pour adopter ce qui est bien pour l'Afrique. Cette aventure n'est pas celle de copains qui fantasment ou ont mal de notoriété. Il s'agit d'une tâche qui est celle de tous. Elle ne se limite pas aux seuls membres de Mansa qui est appelé à s'élargir, à accueillir d'autres nombreux amoureux du continent. Mais également à être le réceptacle des idées constructives. Les autres se sont organisés pour construire leur continent. Ils ont mouillé le maillot, comme on dit chez moi. Il devient urgent que nous fassions la même chose. Une telle ambition légitime ne peut être l'œuvre de quelques personnes, même si, depuis quelques mois, nous avons travaillé d'arrache-pied pour initier cette réflexion, en adoptant une méthode, en multipliant des groupes de travail, en faisant de la recherche, du brainstorming, des études de cas, des missions d'études, des consultations, en organisant des retraites de travail dans plusieurs régions du continent. Nous sommes conscients, vraiment conscients du fait, au regard du chantier, qui par moments ressemble au nettoyage des écuries d'Ogeas, que ça doit être une œuvre collective. Le groupe Mansa ne saurait être celui qui initie à lui seul ce nouveau départ de notre continent. C'est un travail de tous. Il n'est qu'un petit élément qui vous invite dans son cadre. Rassurez-vous, nous sommes conscients que nous n'avons pas la science infuse, que nous n'avons pas toutes les vérités, loin s'en faut, que nous avons beaucoup de choses
à apprendre. Mais comme on dit dans un adage africain, une seule main ne peut pas attacher un fagot. Une seule main ne peut pas se laver. Chacun dans son coin doit initier, doit nourrir, doit enrichir cette réflexion pour la prospérité de l'Afrique. C'est un travail que chacun doit prendre à son compte, puisque nous nous attaquerons à toutes les thématiques nécessaires à notre éclosion. Nous parlerons des institutions, de gouvernance, de tradition, de culture, de politique, d'économie, de science, d'éducation, d'agriculture, de sous-sol, d'environnement. Il est évident que pour embrasser autant de sujets nécessaires à notre reconstruction, tous nous ne serons pas assez nombreux pour le faire. Pourtant, il faut y aller maintenant. Et toutes les intelligences et volontés sont nécessaires pour y arriver. Et puis, ayons conscience d'une chose, tout ceci ne se fera pas en un jour ou en une décennie. C'est un travail de très longue haleine. Nous n'arrivons pas en disant que nous avons la situation, que nous avons la solution. Nous arrivons en disant travaillons ensemble pour la trouver, sans tabou et sans complexe cette fois-ci, en abordant de front, selon nos propres calendriers, les sujets de fond, comme vous allez l'entendre dans un instant, et je pense que Jules a donné un petit aperçu en démarrant. Il faut oser questionner les principaux maux qui nous minent, qui nous retardent. Ensemble, nous serons forts et nous déplacerons les montagnes. Nous retrouverons la place qui est censée être la nôtre. Mansa, c'est cela. Je sais que vous êtes des centaines de millions à partager cette ambition. On espère qu'on sera bientôt 1,4 milliard à la partager. C'est le moment d'en finir avec les discours, les complaintes, les jérémiades pour passer à l'action. N'ayez pas peur d'être critiqué parce qu'en réalité, on ne jette la pierre que sur un arbre qui porte des fruits. Si vous êtes sans intérêt, sans aspérité, on continuera de vous écraser, de vous coloniser. La critique ne doit pas être un frein à votre ambition. Sky is the limit. Pourtant, le chantier est vaste. Pourtant, le chantier est vaste. Il est interminable. Il est juste titanesque. À Mansa, conscient que nous ne pouvons aborder dans l'immédiat tous les sujets auxquels l'Afrique fait front, nous avons d'abord construit l'espace géographique par lequel il fallait commencer. Lorsqu'une maison est sale et qu'il faut la nettoyer de fond en comble, il faut bien commencer par une pièce. C'est une pièce après l'autre que l'on nettoie. C'est ce qui explique le choix, dans un premier temps, de la zone géographique dite francophone, celle qui nous paraît la plus en retard, avec la même problématique, les mêmes tares, en caressant l'espoir que nous vivrons, en tout cas. Mansa se poursuivra suffisamment longtemps pour faire ensuite la jonction avec les autres régions dites anglophones, lusophones et autres. Parce que nous sommes conscients qu'il faut sortir des programmes d'urgence, des stratégies à court terme qui ne donnent que des résultats court-termistes. Il faut beaucoup de temps pour nous débarrasser des tares héritées de tant de siècles de colonisation. Beaucoup de temps pour se débarrasser de certains concepts fumeux qui ont pourtant forgé notre imaginaire. Mais il faut commencer aujourd'hui. Et puisque l'on regarde ceci, j'espère que à la fin de la journée, à la fin de la semaine, nous serons plusieurs millions à nous engager derrière Mansa. Mais Mansa, c'est d'abord un état d'esprit. Mansa, c'est notre initiative à tous pour repenser l'Afrique. Souvenez-vous-en, pour repenser l'Afrique, parce que l'Afrique a vraiment besoin d'être repensée. Et tout le monde doit y participer. Repenser l'Afrique appartient à tous, pas à une seule personne, pas seulement à Mansa, à nous tous. Et je vous souhaite d'être tous Mansa. Merci à vous. Est-ce qu'Alain Foucault a vraiment démissionné de RFI? On a dit qu'on devait être disruptif, donc ne nous laissons pas avoir. Peut-être que c'est une stratégie pour nous endormir davantage. Et que le projet qui arrive est la continuité des RFI. Mais bon, cela dit, madame, monsieur, c'est un réel plaisir d'être à votre compagnie cet après-midi. Comme l'a dit Alain Foucault, Mansa, ce n'est pas une affaire d'une personne. À la base, il y a eu un groupe de 15 personnes qui travaillent depuis pratiquement un an pour essayer de vous soumettre dès cet après-midi quelques pistes de réflexion. J'aimerais, si vous en avez convenance, vous présenter très rapidement les membres
cofondateur de Mansa. Et je vais commencer par Maître Fatoumata Sidibé Diarra. J'appelle à présent à se lever, sous vos acclamations bien entendu, Monsieur Cheikh Travali. Elle, c'est la Benjamine de l'équipe, la star des réseaux sociaux, celle qui bat tous les records d'intérêt depuis que Mansa est devenue officielle. Claudia Senghor. J'appelle à présent à se lever Monsieur Alain Kahacha. Va suivre Monsieur Gilles Ataï. À présent, j'invite Madame Madina Dansoko. Serge Armel Didjo. J'invite à présent également le docteur Elie Kamgeu. Lui, dans le groupe Mansa, c'est peut-être celui qui incarne le mieux la disruption dans tous les sens du terme. C'est Guy Robert Lukama. Finalement, je ne sais pas si c'est toujours Claudia qui est la Benjamine ou c'est Sébastien Faye. J'invite Sébastien Faye ne faites surtout pas attention à sa coupe de cheveux. Ça fait partie de la disruption. Je vais à présent appeler quelqu'un qui aurait pu être là mais qui n'a pas pu pour des raisons indépendantes de sa volonté. Il est médecin, c'est Roger Moyou Mogo. Un autre de nos cofondateurs qui n'a pas pu être là cet après-midi, c'est Monsieur Moïse Kosounou. À présent, c'est avec beaucoup de plaisir que j'invite mon jeune frère, ça me fait plaisir de le dire, Erickson Oupo. Qui, soit dit en passant, est le directeur général de Mansa. Je crois que ça mérite des applaudissements. Et je vais terminer par quelqu'un sans qui tout ça n'aurait été possible. Quelqu'un pour qui j'ai une admiration sans faille, qui m'inspire au quotidien et à qui j'aimerais ressembler. Cette personne-là, c'est moi-même, madame, monsieur. Je pense, et en dit ceci, que ce n'est plus la peine de présenter notre président, monsieur Alain Foka, qui mérite vraiment vos acclamations nourries. Erickson, je te laisse la place pour justement la présentation de la méthodologie Mansa. Merci beaucoup, Jules. Avant de rentrer dans la méthode, je voulais juste insister sur le fait qu'au-delà des talents individuels que nous avons la chance d'avoir dans Mansa, c'est avant tout une aventure collective et un travail d'équipe. Donc, on voulait aussi vous présenter cette photo d'équipe. Si on peut la mettre à l'écran, s'il vous plaît. Voilà, l'équipe quasiment au complet. Vous remarquerez... Euh
Vous remarquerez qu'en bas à droite, il y a un petit espace, il y a une photo qui manque. Alain l'a dit, Jules l'a dit, Mansa est une aventure collective dans laquelle tout le monde a sa place et on espère voir chacun d'entre vous un jour être également parmi nous pour travailler sur nos projets. Voilà. On va enchaîner maintenant avec une partie un peu plus rugueuse. Je vais essayer de la rendre la moins complexe possible. C'est comment est-ce qu'on a travaillé ces derniers mois. Jules vous a expliqué qu'on travaille ensemble depuis pratiquement un an. Donc la question que vous devez tous vous poser, mais c'est comment est-ce que vous avez travaillé et quelle a été finalement votre méthode. Donc la première des choses qu'on a réalisées, comme l'a dit Alain tout à l'heure, compte tenu du nombre de problématiques, de challenges auxquels notre continent fait face, c'est d'abord d'initier un travail de priorisation. On s'est dit qu'il était humainement impossible de tacler tous ces problèmes en même temps et qu'il fallait du coup pondérer, identifier les priorités et commencer à se discipliner sur un nombre limité de sujets. C'est ce que vous voyez sur la slide qui s'affiche à l'écran. On a passé plusieurs semaines à brainstormer sur ces thématiques et on s'est finalement arrêté sur 5 d'entre elles. Les ressources naturelles, les sciences et la technologie, l'économie, la finance, éducation, culture et valeurs, gouvernance et institutions. On a mis sur le côté un certain nombre de sous-thématiques qui ne sont pas lisibles en lecture directe, mais qui nous paraissent extrêmement importantes parce qu'elles sont transversales et qu'elles finalement percolent dans l'ensemble des sujets. Le rôle de la diaspora dans les ressources naturelles, dans l'économie et la finance, on y reviendra. L'intégration africaine, les infrastructures et la santé. Une fois qu'on a défini ces thèmes, on s'est attelé à définir la manière dont on allait travailler. On s'est dit que pour chaque thème, nous avions besoin d'un leader, ce qu'on appelle le coordinateur, et que chacun d'entre nous aurait la possibilité de contribuer activement à ces thématiques ou de façon un peu plus passive en apportant un regard critique sur les travaux. Ce sont les trois rôles que vous voyez à l'écran, coordinateur, contributeur, participant. Une fois qu'on a réalisé cet exercice, on s'est tout simplement réparti les rôles en définissant, comme on l'a dit tout à l'heure, un contributeur pour chaque sujet et en cédant finalement les bonnes volontés pour s'assurer que pour chacun des thèmes, nous avions suffisamment de capacité à travailler. Enfin, pour ce qui concerne la méthode, alors c'est une slide de consultant, je ne vais pas la lire, c'est juste pour expliquer qu'on n'est pas arrivé au bout de la méthode, comme l'a dit tout à l'heure Alain, c'est un travail long qui nécessite des efforts et c'est un travail collectif pour lequel la contribution de chacun d'entre nous, chacun d'entre vous sera nécessaire, mais on a adapté une approche qui consiste à identifier pour chacun des thèmes que vous avez vus les faits ou les problématiques prioritaires qui vous seront présentées tout à l'heure. On a ensuite, sur ces problématiques qui peuvent être soit des problèmes, soit des opportunités, travaillé à identifier finalement les causes de la situation actuelle. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on en est là? Si je prends un exemple sur l'éducation, Gilles va en parler tout à l'heure, on sait que nos systèmes éducatifs ont probablement besoin d'être un peu boostés. Ok, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui ça n'a pas encore été fait au niveau où nos populations l'attendent? Et on se pose ces questions de façon récursive. On enchaîne ensuite en identifiant un certain nombre de pistes de réflexion. C'est là où on en est aujourd'hui. Et après les pistes de réflexion, c'est le plan d'action, c'est les stratégies et c'est la planification. Voilà, pour vous donner un ordre de grandeur et un ordre d'idée du travail colossal qui nous attend. Je propose qu'on avance à présent. J'en ai terminé pour la méthodologie et nous allons à présent faire venir nos responsables de commission pour nous donner un aperçu des travaux qui ont été réalisés et les pistes de réflexion qui ont été dégagées. J'appelle donc en première instance ma sœur Fatoumata Sidibé Diarra. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît, pour le sujet gouvernance et institutions. Merci, Erickson. 60 ans que nous nous définissons en fonction de critères qui nous sont étrangers. Régime pluraliste, régime de parti unique, régime libéral,
régime communiste, régime socialiste, mais où est le régime adapté aux pays africains dans tout cela? Soit en temps de mascarade électorale, tenez-vous bien, entre 1960 et 1989, sur 102 élections présidentielles, le président en exercice a remporté les élections avec en moyenne 92%. Les partis du pouvoir ont obtenu en moyenne 83% des voix. Et dans 29 pays sur 47 en Afrique, les partis d'opposition n'ont jamais été représentés. Et nous parlons de démocratie. Plus de 60 ans d'instabilité. Sur 486 coups d'État tentés depuis 1950 dans le monde, 214, dont 106 réussis, ont eu lieu en Afrique. Soit un coup d'État par an dans au moins deux États africains. Plus de 30 ans que nous copions le système de démocratie à l'occidental. 30 ans de résultats électoraux douteux, de crise post-électorale, de gouvernance inefficace. 30 ans de dépenses exorbitantes dans un océan de misère où le minimum n'est pas assuré. 125 milliards de dollars ont été dépensés entre 2000 et 2018 en Afrique subsaharienne pour organiser des élections. Combien d'hôpitaux, combien d'écoles, combien d'infrastructures aurait-on pu construire avec cela? 30 ans d'exercice de pouvoir par des dirigeants plus préoccupés par leur propre survie que par le bien-être de leur peuple. Des dirigeants illégitimes aux yeux des citoyens et cherchant plutôt à maintenir des systèmes autocratiques. Plus de 60 ans de désillusion, de perte de confiance, de mauvaise gouvernance et de stagnation économique. Il suffit de regarder les pays qui ont accédé à l'indépendance au même moment que nous et voir le niveau de vie de leurs citoyens aujourd'hui. Singapour, la Corée du Sud par exemple. Il suffit de regarder le niveau de vie de certains pays auquel il n'est pas systématiquement rappelé l'importance de la démocratie. Les Émirats arabes unis, par exemple. Qu'est-ce qui est finalement important pour nous, Africains? Copier les autres ou tracer notre propre voie vers nos aspirations profondes? C'est la question. Bonjour à toutes et tous. Merci pour votre présence, pour votre enthousiasme, pour votre engagement et vos encouragements. Depuis les premiers instants où nous avons partagé ce projet avec vous, ce projet qui est aussi le vôtre. Signe que nous ne sommes pas trompés. Il faut que la situation de notre continent change. Et pour cela, il faut réfléchir, il faut construire, il faut partager, il faut convaincre et surtout, il faut agir. Car si nous ne le faisons pas, personne ne viendra le faire à notre place. Je viens de vous décrire la situation qui est inacceptable. Illégitimité, rupture constitutionnelle, troisième mandat, crise politique, absence de décollage économique inclusif. Le système de gouvernance n'est pas adapté, c'est un fait. Les modèles plaqués ne fonctionnent pas. Si le but est la gestion vertueuse de la cité par des dirigeants légitimes vers le progrès inclusif, alors il faut accepter, comme le disait Amadou Ampateba, que les hommes peuvent atteindre un but commun sans emprunter les mêmes voies. Il est temps de changer, de nous réinterroger et d'élaborer notre propre réponse, celles qui nous sont adaptées. Surtout que nous avons un riche passé, ne serait-ce que l'organisation de nos empires et royaumes. Et n'oublions pas de rappeler à ceux qui sont prompts à la dénonciation à géométrie variable de la question des droits de l'homme, que nous, Africains, avons été les premiers à proclamer les droits de l'homme et du citoyen dans la charte du Mandé de 1236. Dans la commission gouvernance et institutions, nous avons travaillé sur plusieurs thèmes que nous avons déclinés en faits. Nous versons au débat nos pistes de réflexion pour être complétées, pour être enrichies, adaptées, car nous sommes conscients que l'Afrique est plurielle. Parce qu'une chose est sûre, il faut changer et il faut bien commencer quelque part. Nos pistes de réflexion sont faites sans tabou et de manière constructive. Nous nous interrogeons sur ce qui ne fonctionne pas, notamment la question de la légitimité de nos dirigeants. Ils sont élus sur le papier à l'issue de processus dont la transparence peut clairement être mise en doute dans plusieurs cas. Il est normal qu'à la moindre crise, ils ne bénéficient d'aucun soutien de la population et soient balayés parce que considérés comme illégitimes. D'autant plus que dans plusieurs États africains,
Nous avons des monarques qui règnent sans contre-pouvoir, sinon sur le papier, et ne rendent pas compte. Le débat sur la limitation des mandats qui nous a été imposé est une autre piste de réflexion. Est-il adapté à notre situation actuelle, nous, Africains? Chaque 5 ans, chaque 7 ans, ce sont des violences électorales, des coups d'État constitutionnels. Est-ce la priorité dans des États en crise comme les nôtres? Et ceux qui nous insufflent cette obligation ne se sont pas gênés pour ignorer superbement cette disposition constitutionnelle lorsque eux-mêmes étaient en crise. Souvenez-vous du président Roosevelt des États-Unis, élu pour 4 mandats, et je ne parle pas du général de Gaulle, président de 1958 à 1969. Nous voyons tous la situation de nos États. Pourquoi ne pas dépasser ce débat et se poser les vraies questions qui sont: comment désigner des dirigeants qui gouverneront et travailleront uniquement au service d'une vision partagée? Autrement dit, qu'est-ce qui est important pour nous, Africains? Est-ce que ce n'est pas ce qu'on fait du mandat et non sa durée? Et face à un dirigeant dont le pouvoir dévie, il faut avec responsabilité réfléchir aux mécanismes de destitution, des mécanismes connus de tous et encadrés. Parce qu'actuellement, vous l'aurez constaté, le mode de destitution le plus utilisé est le coup d'État. Les coups d'État, parlons-en. Un proverbe malien dit qu'après une chute, ne t'intéresse pas au lieu de ta chute, mais à ceux qui t'ont fait tomber. Au-delà des condamnations quasi automatiques, ne faut-il pas s'interroger sur la cause de ces coups d'État? Et pourquoi ils suscitent à chaque fois un espoir de changement pour nos populations? Mais également, ne faut-il pas que nous arrêtions les faux fuyants et que nous considérions la question de l'armée, qui est clairement un acteur à part entière dont il faut définir le rôle? À côté de nos dirigeants, la question des acteurs de la gestion de la cité, le citoyen, la société civile et les partis politiques est aussi une piste de réflexion. Le citoyen a voix au chapitre uniquement au moment des élections. Nos sociétés civiles sont moribondes ou devenues des instruments aux mains des puissances étrangères. Et les partis politiques voient leur nombre exploser et sont souvent devenus des moyens d'accéder aux postes ministériels ou autres avantages plutôt que de participer à faire avancer le débat. J'ai parlé de légitimité tout à l'heure. Justement, ceux qui en bénéficient sont nos légitimités traditionnelles, dont la place est connue, acceptée, respectée de tous. Ne devrions-nous pas leur redonner leur place, les remettre au centre, à équidistance des jeux politiques et assurer leur indépendance financière? Ces pistes de réflexion sur lesquelles nous travaillons concernent donc nos institutions internes, bien entendu, mais cela est valable pour nos institutions régionales et sous-régionales. En zone francophone, les résultats de ces institutions sont plus que mitigés quand elles ne sont pas sous la coupe d'influences et d'agendas étrangers. Sinon, comment expliquer que les décisions de ces institutions dites africaines soient annoncées depuis une capitale européenne? Ou alors que les chefs d'État de ces institutions soient invités par un chef d'État européen à tenir leur sommet dans une ville américaine? Qui paye commande? Parvenir à l'indépendance financière de ces institutions est donc une question cruciale. Ces pays qui tentent de nous imposer leur agenda ont tous leur politique africaine, alors que clairement, nous-mêmes ne parvenons pas à bâtir une politique africaine commune digne de ce nom, et encore moins une politique africaine du monde. Le dénominateur commun à toutes ces pistes que je viens d'évoquer est la prise de conscience et le sens de la responsabilité. Pour Patrice Lumumba, l'Afrique écrira sa propre histoire. Le temps est venu. Le temps est venu sans idéalisme, sans tabou, et en ayant le courage de remettre en cause certains principes, érigés en dogme, et en ayant à l'esprit les besoins réels de nos concitoyens, le temps est venu de rechercher nos propres réponses. Et c'est ce que nous essayons de faire, parce que personne ne viendra le faire à notre place. Je vous remercie.
Je pose une autre question. Entre les différents coups d'État militaires qui ont eu lieu en Afrique ces dernières années et les différentes révisions constitutionnelles dans l'optique d'obtenir un troisième mandat, lequel de ces événements ont causé le plus de tort au continent? Chacun se fera sa réponse. Deuxième question. Pour ceux qui sont amoureux du système démocratique occidental africanisé, j'aimerais rappeler que l'élection ne peut pas être la solution ultime. Pendant trop longtemps, on nous a fait croire en Afrique qu'il suffisait d'organiser une élection pour régler les problèmes. L'un des exemples les plus patents, c'est celui de la Côte d'Ivoire, où en pleine crise, dans un pays divisé, avec une rébellion armée, on a proposé aux Ivoiriens comme solution l'organisation des élections. Résultat, plusieurs milliers de morts. Jusqu'à quand allons-nous continuer à jouer à ce jeu macabre? C'est aussi une question à laquelle j'attire votre attention. À présent, je veux inviter Cheikh Travali, qui est le président de la commission économie et finances au sein de Mansa. Cheikh, s'il te plaît. Merci. Mesdames et messieurs, dans notre commission économie et finances, nous avons traité d'un certain nombre de problématiques qui sont transversales à notre sous-région. En particulier, l'appartenance à une zone monétaire commune et ses implications en termes de souveraineté et de compétitivité. La capacité de nos systèmes de financement à générer des solutions internes couvrant adéquatement les besoins de financement et de transformation structurelle de nos économies. L'absence de croissance inclusive et équitablement partagée, le faible niveau d'industrialisation de nos pays et finalement le climat des affaires. Voilà les thématiques que nous avons essayé d'embrasser. Pour toutes ces problématiques, nous avons essayé de dresser un état des lieux sans complaisance. Et le constat, il est sans appel. Sur toutes ces dimensions, c'est un constat d'échec. La situation n'est pas bonne. Et les perspectives d'amélioration à court, à moyen ou à long terme sont incertaines. Soit, une fois que le constat est posé, il faut s'interroger sur les causes profondes qui nous ont amenés à cette situation. C'est cette analyse rigoureuse de ce que nous appelons les causes racines qui va nous permettre d'établir un diagnostic juste et de proposer des pistes de solutions que nous allons partager avec le public pour son appréciation, pour sa critique, pour son enrichissement. Et nous allons également les proposer à tous ceux qui sont intéressés à engager une nouvelle dynamique pour notre sous-région. Alors, il est évident que nous n'aurons pas le temps de rentrer dans le détail des 5 thématiques dont j'ai parlé, mais j'aimerais quand même que l'on s'arrête sur 2 d'entre elles. En premier lieu, parlons de notre appartenance à une zone monétaire commune. Et la question qu'on devrait se poser, doit-on vraiment continuer à appartenir à la zone franc? Cette question, vous en conviendrez avec moi, est d'une brûlante actualité à la lumière des changements qui traversent nos sociétés actuellement. Et pour nous, à Mansa, la réponse, elle est simple, la réponse, elle est sans ambiguïté. La réponse est 1000 fois non. 1000 fois non.
Non, parce que nous estimons que l'appartenance à la zone induit une forme d'infantilisation, elle induit également une forme de déresponsabilisation. Je m'explique. En gros, on nous explique qu'après plus de 60 ans d'indépendance, les questions liées à la création et à la fluctuation de notre monnaie, les questions liées à la création de nos signes monétaires sont des questions bien trop complexes pour nous. Et pour notre bien, on va nous en décharger. C'est ça qu'on nous explique. C'est comme si, mesdames et messieurs, vous avez des adolescents chez vous ou des majeurs vaccinés et vous leur dites, attention quand tu vas à l'école, quand tu arrives au croisement que tu dois traverser la route, appelle papa ou appelle maman. Nous allons venir te prendre par la main, nous allons t'aider à traverser la rue. C'est ça la situation. Mesdames et messieurs, nous devons arrêter avec ça. Pour nous, c'est non parce que, et sans entrer dans un débat extrêmement technique, l'appartenance à la zone handicape la compétitivité de nos économies. Parce que simplement, quand vous êtes dans une situation où vous ne pouvez pas faire fluctuer le taux de change de votre monnaie pour rendre les produits manufacturés que vous exportez plus compétitifs par rapport à des pays qui le sont, c'est que vous partez dans une course avec un pied et une main attachés. Comment voulez-vous gagner la course? C'est impossible. Nous pensons que nous devons sortir de la zone parce que l'appartenance à la zone nous prive d'un certain nombre d'instruments qui sont critiques à notre développement. Je m'explique, et encore une fois, sans entrer dans des termes trop techniques. Vous savez, être dans cette zone emporte des contraintes budgétaires extrêmement fortes, qui font que on ne peut pas utiliser notre budget pour financer nos infrastructures. Nous avons des contraintes en termes de déficit budgétaire. Et je vois dans la salle des décideurs ici qui comprennent exactement ce que je suis en train de dire. Alors, quand on regarde autour de nous, quels sont les pays qui ont un déficit budgétaire le plus important? Ce sont les pays développés. Alors, expliquez-moi où se trouve l'erreur quand on applique le raisonnement à nos pays. Alors, voilà pour nous, à Mansa, autant de raisons pour lesquelles nous devons sortir de la zone franc. Mais nous devons le faire de manière organisée, de manière pensée et de manière réfléchie. À partir de là, plusieurs scénarios sont possibles et envisageables. Mais ce qui est sûr, c'est que nous avons l'expertise. J'ai quelqu'un en face de moi qui connaît très bien ces questions que je salue. Nous avons l'expertise en Afrique. Nous avons aussi des exemples de pays qui ont réussi avec brio à reprendre leur souveraineté monétaire. On peut s'en inspirer. Dans tous les cas de figure, pour nous, à Mansa, le statu quo n'est plus acceptable. Nous devons changer et quitte à se tromper, trompons-nous avec nos propres idées, pas avec les idées des autres. En second lieu, je voudrais que nous parlions de la capacité de nos systèmes financiers à générer des solutions endogènes qui vont soutenir la transformation de nos économies. Alors, le constat que nous avons fait, je peux le résumer en utilisant une phrase, une formule lapidaire utilisée par un économiste camerounais qui dit simplement, en Afrique, nous avons besoin de banquiers, pas de rentiers. Nous avons besoin de banquiers, pas de rentiers. Alors, c'est certes violent, c'est certes provocateur, c'est certes réducteur,
Mais moi, je trouve que ça résume assez bien la situation dans laquelle les secteurs les plus dynamiques de nos économies se trouvent. Je pense en particulier au secteur informel, qui emploie la grande majorité de notre jeunesse. Ce secteur n'est pas financé ou très peu financé. Je pense en particulier au secteur des PME-PMI, dynamiques, qui créent de l'emploi, qui créent de la richesse, qui, là encore, est très peu mal financé. Je pense aux femmes, qui sont probablement le pan de la population le plus dynamique. Leur accès au financement est limité à la microfinance de manière générale. Je pense au secteur, je pense aux infrastructures qui sont indispensables à notre développement et qui pourtant sont largement sous-financées. Alors, les raisons qui ont conduit à cette situation, elles sont connues, elles sont toutes aussi bonnes les unes que les autres. Croyez-moi, j'ai une carrière de 30 ans de banquier derrière moi. Donc, je suis capable de vous expliquer pourquoi on ne finance pas les infrastructures, pourquoi on ne finance pas les PME-PMI, pourquoi on ne finance pas l'informal, pourquoi on ne finance pas les femmes. Alors, je ne vais pas vous faire l'offense de vous réchauffer ces arguments pour vous ressortir ce plat, mais ce que je pense, et ce qui est important, c'est comment sortons-nous de cette situation. À Mansa, une des pistes que nous privilégions, c'est que nous pensons fortement que nos États doivent se doter d'instruments financiers capables de supporter les secteurs qu'ils auront jugés prioritaires. Si nous décidons que l'agriculture est un domaine prioritaire et stratégique pour un pays, alors créons des banques de financement agricole. Certains pays l'ont fait. On doit multiplier ce genre d'exemple. Si nous décidons que le secteur minier, et au passage, je relève que dans la plupart de nos pays, les mines sont financées par des financements extérieurs, si nous décidons que le secteur minier est quelque chose de prioritaire, alors nous devons créer des instruments qui nous permettront de financer le secteur minier. Même chose pour l'informel, même chose pour les PME-PMI, même chose pour les femmes. On me fait signe que j'ai un peu débordé. Alors, j'entends tout de suite les objections. On me dira que ce sont des tentatives qui ont été mises en place dans beaucoup de nos pays. Les exemples de banques agricoles qui ont fait faillite sont légion. Je dirais peut-être, mais la question n'est pas là. La raison pour laquelle ces instruments-là ont échoué, ce n'est pas parce que les instruments étaient inadaptés, c'est simplement qu'il y avait un problème de gouvernance et un problème d'utilisation de ces instruments-là. Réglons ces problèmes-là et on aura réglé le problème. Voilà, mesdames et messieurs, rapidement présenté les problématiques que nous avons embrassées dans la Commission économie et finances. C'est l'esprit dans lequel nous avons travaillé et les pistes de solutions, les directions que nous sommes en train de prendre. C'est absolument un travail de longue haleine. Nous en sommes pleinement conscients. Et nous sommes certains, nous le savons, que certains d'entre nous ne verront pas les premiers fruits de ce travail de longue haleine, mais il faut bien commencer quelque part. Et comme on dit, le plus long voyage commence par le premier pas. Alors, rejoignez-nous et ensemble, traçons notre voie. Merci, cher. J'aimerais vous rappeler, Madame, Monsieur, qu'il est prévu une séance de questions-réponses. Et je profite pour inviter les cofondateurs de Mansa d'être disruptifs dans le respect du temps de parole. C'est aussi ça l'esprit Mansa. Parce que si nous voulons donner la possibilité à notre public de réagir, nous devons être le plus disruptif possible. Deux points d'attention par rapport à l'intervention de Cher. C'est un constat. La première puissance africaine économique a sa propre monnaie. Et si vous prenez les dix premiers pays développés en Afrique, chacun de ces pays
à sa propre monnaie. Je pense qu'il n'y a rien à ajouter après cela. Et si nous continuons à rêver que le CFA nous aidera, ça veut dire que nous avons forcément un problème avec notre éducation. Et d'éducation, justement, il va être question tout de suite, parce que nous avons au sein de Mansa une commission qui a travaillé sur éducation, culture et valeurs. J'invite le président de la dite commission, M. Gilles Ataï, qui lui va respecter le temps, vous allez voir. Merci. La première de toutes les priorités pour nos nations, eh bien, c'est l'éducation. Aucune communauté, aucune nation ne s'est jamais construite durablement sans avoir consciemment et sérieusement investi dans l'éducation. Or, aujourd'hui, notre système éducatif développe la répétition, le suivisme, la consommation sans jamais favoriser le questionnement, l'esprit critique ou même la production. Disons-le d'emblée, notre système éducatif actuel est une arme de régression massive. Que pouvons-nous observer? Premièrement, l'éducation n'est plus une priorité pour nos États. Elle ne dispose pas de l'attention de nos gouvernants qui ne lui allouent pas les ressources nécessaires. L'abandon scolaire sur notre continent est une réalité cruelle. Troisièmement, malgré l'augmentation très appréciable du nombre d'établissements, les matières enseignées sont totalement déconnectées de nos exigences de développement et elles ne tiennent pas compte des réalités mondiales. Les sciences, les techniques, la recherche, l'apprentissage professionnel sont largement délaissés alors que c'est de là que viennent les métiers d'aujourd'hui et surtout les métiers de demain. Et enfin, l'enseignement a perdu ses lettres de noblesse. Le corps des enseignants et des chercheurs n'est plus considéré pour ce que devrait être leur vrai statut. Ça, c'est ce que tout le monde peut observer. Mais quelles sont les causes de ce mal, de ces maux? Premièrement, l'école africaine est la fille de l'école coloniale. L'école coloniale a été conçue pour produire des commis, des auxiliaires dont le rôle était juste de servir l'administration coloniale dans des fonctions subalternes. Et croyez-moi, l'objet depuis lors n'a pas fondamentalement changé. Deuxièmement, nos gouvernants portent une lourde responsabilité dans le fait qu'ils ont démissionné devant le diktat des prêteurs, dits partenaires financiers, et face à eux, ils ont négligé ce qui aurait dû être leur priorité. Ce faisant, ils ont accéléré la faillite de notre système éducatif. Troisièmement, les contenus scolaires ont été minutieusement débarrassés de tout ce qui aurait éveillé les sentiments indispensables à l'émancipation et au devoir pour nos pays. Et enfin, nos États ont fait l'erreur de séparer dans sa gestion de l'éducation l'enseignement général de l'enseignement technique, de la formation professionnelle, de l'apprentissage et même de la recherche. En fait, en dissociant ces quatre ou cinq fonctions qui, ensemble, auraient dû travailler en complémentarité vers la même direction, nous avons nous-mêmes créé quatre à cinq monstres incohérents, ce qui participe à déstructurer encore plus notre système éducatif. À quoi rêvons-nous à Mansa et à quoi devrions-nous rêver tous ensemble? Que devrait être notre aspiration? Que devrait être notre destination voulue? Il y en a quatre, pour faire simple. L'éducation devient le fer de lance. Elle donne l'impulsion de toutes nos politiques de développement et de notre émancipation. Pour faire court, tout par l'éducation. Deuxièmement, nos États deviennent compétitifs, complets. Ils deviennent prospères pour chaque Africain. Troisièmement, l'éducation est pertinente. Elle est en harmonie avec ce que nous sommes parce qu'elle est centrée
sur nos cultures et sur nos valeurs authentiques. Et enfin, par l'éducation, nous devenons acteurs conscients de notre énergie créative. Pour arriver à cette destination, nous avons travaillé, comme l'ont dit mes prédécesseurs, et il y a 4 pistes. Il y en a plusieurs, mais 4 pistes que je voudrais juste rapidement suggérer devant vous. La première chose, c'est que, et ça c'est vraiment en amont, pour s'assurer que nos politiques d'éducation sont parfaitement intégrées, qu'elles travaillent dans le seul sens du développement de nos pays, ne pourrions-nous pas envisager un seul ministère fort qui centralise et qui stratégiquement impulse les priorités de développement en termes d'éducation? C'est la voie qu'ont choisi les dragons du sud-est asiatique. Là-bas, vous retrouverez éducation, recherche et ressources humaines. Et c'est de là que partent les options stratégiques, qu'elles soient en général, en technique, en supérieur, etc. Deuxièmement, ne devrions-nous pas adopter une approche résolument inversée? C'est-à-dire que les contenus devraient être conçus, contenus d'éducation, devraient être conçus en fonction de ce que nous voulons vraiment dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans. Et ainsi, nous pouvons préparer la création de valeurs et la compétitivité de nos nations pour le bonheur de nos populations. Troisièmement, ce n'est même peut-être pas une option, ne devrions-nous pas virer radicalement vers les sciences, la technologie? Je ne citerai pas le pays, mais il y a un pays, récemment on a fait le travail, on a vu que sur les 400 derniers établissements construits, 398 étaient de l'enseignement général, 2 seulement dans les fonctions industrielles. Est-ce qu'on est sérieux? Est-ce qu'avec ça, on pense qu'on est capable de faire la transformation de nos matières premières? La troisième piste de réflexion, c'est donc de virer radicalement vers les sciences, la technologie et enfin, nous ne devrions plus considérer l'éducation comme étant un poste de défense, mais comme un poste de dépense, pardon, mais comme étant un poste d'investissement. Conséquemment, ne devrions-nous pas augmenter les investissements de manière très significative lorsque l'on parle d'éducation? Pour conclure, et je fais court, soyons ambitieux pour notre futur. Soyons courageux de nos options. Réfléchissons par nous-mêmes et pour nous-mêmes que l'éducation ne soit plus l'arme de régression massive qu'elle est encore aujourd'hui. Ensemble, nous pouvons la transformer en le fer de lance de notre émancipation retrouvée. Je vous remercie. C'est mieux sur le timing, beaucoup mieux. Pour faire le lien avec l'éducation, Gilles en a parlé, les sciences et la technologie sont fondamentales dans le monde de demain. Je vais demander à mon frère Serge Armel de venir nous faire un état des travaux sur cette commission. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Ok. Alors, je sais que nous sommes tous Mansa, si nous sommes là, et que nous savons que l'Afrique ne sera pas ce qui va arriver. L'Afrique sera ce que nous ferons. Et les autres commissions sont importantes parce que ça prépare qui nous sommes. Mais à la fin, le développement, le bien-être, là, s'incarne avec la technologie. Quand nous disons qu'un pays est développé, c'est parce que nous voyons la technologie. Il n'y a pas de développement sans sciences et technologies. Évidemment, nous allons à l'école, nous formons des ingénieurs depuis plusieurs décennies. Mais il faut se rendre à l'évidence. Probablement, ce que nous apprenons à l'école ne nous prépare pas à développer l'Afrique. Dans cette salle, si on vous dit de chercher quelque chose fabriqué ici, à part le tam-tam, peut-être l'eau, vous aurez du mal. Si vous allez au supermarché, vous aurez l'impression que vous êtes dans un désert intellectuel parce que tout semble importé.
bref, tout ce qui est manufacturé. Et pourtant, nous dépensons beaucoup pour nos universités, centres de recherche. Mais qu'est-ce que ces gens font? Nous sommes face à un canular. C'est-à-dire que, en fait, nos universités, nos centres de recherche sont à la remorque d'un système international qui n'a rien à voir avec nos pays. Et nous finançons ça. La vérité, c'est que vos parents, vous envoyez les enfants à l'université, vous êtes conscients qu'ils n'apprennent pas grand-chose d'utile. Mais vous êtes sous un chantage du diplôme. L'État, de son côté, n'a pas mis la créativité au cœur de son business model. C'est encore le modèle extraverti dont il a hérité. Et donc, du coup, sa jeunesse l'encombre. L'université fait un travail de garderie que nous finançons pour avoir la paix. Et ça, si vous prenez la santé, qui est quelque chose sur lequel nous travaillons, nous formons longuement des médecins qui, à la fin, ne savent que prescrire des molécules occidentales. Il est là, le diagnostic, c'est pour déterminer quelle molécule occidentale tu vas acheter. Les gens se forment, ils sont pharmaciens pour vendre les molécules occidentales. Toute cette médecine dite conventionnelle ne représente pas 20%. L'OMS même dit que 80% des Africains se soignent hors de cette médecine conventionnelle. Mais tous nos budgets, c'est sous cette médecine conventionnelle qui est en fait juste une courroie entre l'industrie occidentale et les malades. Donc, où est-ce qu'on se retrouve dans tout ça? Pourtant, on a un potentiel. Tous les médicaments se font à partir des plantes. On a une biodiversité extraordinaire. On doit pouvoir faire nos médicaments. On doit pouvoir construire nos intrants de santé. Qui peut faire la couverture maladie universelle en important tout? Ce n'est pas possible. Nos plantes ont des vertus et on le sait. On dit qu'il faut transformer localement. On prend le cas du bois, par exemple. Mais le bois, rien que les écorces du bois, par leur valeur thérapeutique, peuvent nous rapporter 20 fois plus que la bille de bois que nous importons. C'est-à-dire, si on enlevait seulement les écorces pour exploiter médicalement, la valeur marchande dépasserait la valeur des billes de bois. Mais on n'est même pas dans ce schéma. Donc, et le fond du problème, c'est notre imaginaire. Avant même de regarder les côtés pratiques, techniques, de qu'il n'y a pas de lycée technique et tout ça, ça commence par l'imaginaire. C'est là où on est vaincu. Mon entreprise fabrique des équipements. Et c'est très remarquable. Chaque fois que je vais à une exposition, je présente par exemple un distributeur automatique de boissons. Dès que les gens rentrent, ils voient le distributeur, je fais la démo. La première réaction, c'est « les blancs sont forts ». Je lui dis « mais c'est écrit dessus « Made in Africa ». Il dit « ah bon ? Donc vous assemblez ?» Je dis que non, on fabrique. Il veut se convaincre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Son cerveau bug. L'idée de la création africaine nous échappe. On est coupé de ça. Et c'est la grande bataille que nous devons mener. C'est les industries créatives. Nous encore, les gens de notre génération, tout petits, on faisait au moins les avions avec le papier, on faisait les vélos avec le bambou. Mais les enfants d'aujourd'hui sont sur les écrans. Mais qu'est-ce qu'ils regardent sur les écrans? Si nous n'envahissons pas cet espace pour qu'ils regardent quelque chose qui leur dit que toutes les sciences viennent de l'Afrique, pour qu'ils regardent quelque chose qui les valorise, ben, ils vont toujours rester dans ce complexe. D'abord, ils ne vont pas consommer local. Et on est mort, ils ne vont pas pouvoir innover parce qu'ils ne sont pas dans ce schéma. Donc on est bloqué à la racine. Les industries créatives, c'est l'enjeu terrible. Et ça se fait avec le numérique. Et le numérique, alors, c'est la mère des batailles. Le numérique nous déverse un rouleau compresseur de technologies disruptives. Si nous restons passifs dans le numérique, mais les gens vont nous programmer. C'est-à-dire qu'on va devenir des esclaves consentants. Parce qu'il nous touche dans les aspects cognitifs. Donc, c'est vrai qu'on a un petit retard, Internet n'est pas disponible partout, mais nous allons vite, il y a de l'espoir. Et notre population est jeune. Donc, le numérique peut devenir une arme puissante. Nous ne devons pas louper le coche du numérique. J'invite vraiment nos États, c'est ce que nous faisons à la Commission, à gagner au moins la bataille du numérique. Et puis s'interroger sur l'outil lui-même, l'université, et puis le cadre réglementaire. Le système est bâti pour que nous ne fabriquions rien. On vous parle des normes. Dès que vous avez fabriqué quelque chose,
Le premier fonctionnaire que vous rencontrez, est-ce que c'est conforme à la norme? Il ne sait même pas lui-même de quelle norme il parle. Il n'y a aucun banc d'essai. Il n'y a aucun banc d'essai pour évaluer les normes dont il est question. Ne vous leurrez pas, les normes ne sont pas neutres. Les normes doivent être construites par les Africains en tenant compte de ce qui peut se produire localement et avec un minimum, il faut trouver le juste milieu entre la protection des citoyens et la possibilité pour les Africains de fabriquer. Ça ne se passe pas autrement ailleurs. Et puis on va faire évoluer les normes au fur et à mesure. Et puis la préférence nationale, mais les autres la font bien. Chez nous on dit « made in Togo, made in ceci », mais après, tout fonctionnaire peut commander ce qui est importé sans problème. Ça ne marche pas comme ça. Les Blancs nous ont bien amenés à faire les études d'impact environnemental, parce que leur problème, c'est l'environnement. Mais nous, qui n'avons d'ailleurs pas de grand problème avec l'environnement, on arrive à s'imposer qu'un gestionnaire de crédit qui utilise l'argent qu'on a menacé le débrouillard au marché pour collecter soit obligé d'importer d'abord africain. S'il est obligé d'importer étranger, il faut qu'il explique. Donc, la préférence africaine doit être opposable. Sinon, il n'y aura pas de déclic. Donc, nous sommes dans une commission où nous regardons comment on peut mettre les sciences et technologies au service du développement. Progressivement, on va entrer dans les détails, mais c'était ça les grands chantiers, le cadre réglementaire, le numérique, la santé, l'énergie et les universités, les centres de recherche. C'est quoi fondamentalement? Parce que normalement, dans la bataille du développement, les universités sont censées être nos généraux. Mais comme c'est les Occidentaux qui financent leurs recherches, ils publient là-bas. Et quand ils sont finis par avoir le grade là-bas, ils viennent ici nous demander des situations de rente, parce qu'ils sont des grands professeurs. Ils n'ont rien changé sur notre environnement. Il faut sortir d'ailleurs cette structure de l'État et voir comment les contractualiser, les financer contre des résultats concrets pour notre développement. Donc, j'en termine là. Nous sommes héritiers d'une civilisation forte. Nous devons en être fiers, nous devons la défendre. Et on n'a pas à rougir sur le plan des sciences et technologies. Toutes les fouilles archéologiques le montrent. C'est en Afrique qu'on trouve les vestiges les plus évolués dans les temps les plus reculés. Il faut que notre jeunesse s'empare de cette réalité et ait la puissance de forger son destin. Je vous remercie. Merci Serge Hamel. Je t'ai beaucoup entendu parler de blanc dans ton discours. Et j'aimerais nous poser la question de savoir, est-ce que ceux que nous appelons les blancs sont vraiment blancs? Il faut que nous réfléchissions. Serge Hamel a parlé de la technologie. Et l'une des choses dont on parle très régulièrement quand on parle de l'Afrique, ce sont nos ressources naturelles. On a tous entendu ça. C'est un véritable scandale zoologique. L'Afrique est riche. Première réserve mondiale de telles matières premières. Mais je me suis posé une question à laquelle je vous invite également à essayer de trouver des éléments de réponse. Les ressources naturelles que nous avons là, en Afrique, sont-elles différentes des pays du Golfe? Le gaz, le pétrole, le manganèse, le diamant, l'or, varierait-il en fonction de la zone géographique dans laquelle on se trouve? Pourquoi nous avons tout ça, plus que tout le monde, et nous sommes toujours aussi pauvres? Et je crois que c'est à cette question que nous allons essayer de répondre en donnant maintenant la parole à deux personnes qui ont travaillé sur ce qui fait, d'après nous, notre force, notre potentiel déjà agricole. Parce que l'Afrique, comme on le sait, est le continent qui a le plus de terres arables. Mais c'est aussi le continent où, comme le disait Serge Hamel tout à l'heure, on exporte des billes de bois et importe des cure-dents. Je veux inviter à présent Claudia Senghor à prendre la parole pour nous parler d'agriculture. Bon, est-ce que vous m'entendez? Ah. Ça fonctionne. Comme il vous l'a dit tout à l'heure, je suis la plus jeune du groupe et d'habitude on dit que les jeunes n'écoutent pas les conseils des aînés. Malheureusement, je ne suis pas l'exception qui confirme la règle. Je devais vous parler d'agriculture
Mais je vais commencer d'abord par partager ce qui m'a poussée à rejoindre Mensa. Il y a un peu plus d'un an, je suis tombée sur une vidéo de Alain qui présentait l'assiette du petit déjeuner d'un Africain avec un revenu moyen. Dans cette assiette, on avait du pain, du croissant, des omelettes, du jus d'orange, une assiette de fruits, etc. Et tous ces produits-là, en commençant par le pain ou le blé, le pain ou le croissant, étaient produits donc du blé qui nous venait d'Ukraine, le jus d'orange d'Espagne, le beurre de France, la cerise qui nous vient peut-être de la Côte d'Azur ou d'Auvergne. Je peux continuer encore longtemps. Cette assiette se compose à 85% de produits qui nous viennent de l'extérieur. La question fondamentale qu'il faut se poser et que je vais vous poser. Pourquoi est-ce que nous consommons en majorité ce que nous ne produisons pas? C'est une aberration totale. Je l'accepte et j'espère que vous l'acceptez aussi. Aberration totale. Quand on ne produit pas ce que l'on consomme et qu'on ne consomme pas ce que l'on produit, nous ne sommes pas des hommes libres. La main qui donne est définitivement celle qui ordonne. Je répète, la main qui donne est définitivement celle qui ordonne. C'est en partant de ces constats et de ces questionnements qu'avec ma commission, nous avons réfléchi sur la question de l'agriculture. Et nous nous sommes demandé comment est-ce qu'on en est arrivé là finalement. Parce que nous n'arrivons toujours pas à exploiter nos 600 millions d'hectares de terres arables. Une abondance en eau, mais toujours une dépendance en poissons ou en produits halieutiques, que malgré nos 3500 heures d'ensoleillement annuel, nous sommes donc bénis des dieux, mais nous ne parvenons pas à atteindre la souveraineté alimentaire. Et par la même occasion, notre sécurité sanitaire. Que savons-nous réellement de ce que nous consommons? Rien du tout. Je pense aux tonnes de riz, de poissons, de lait avariés que l'on consomme parce que nous ne les produisons pas. Finalement, l'aliment sain, c'est l'aliment de proximité. Comment un continent comme le nôtre, avec un pays qui à lui seul a le potentiel de nourrir environ 2 milliards de personnes, peine à atteindre l'autosuffisance alimentaire? Aucun, je dis bien aucun, grand pays développé n'importe ce qu'il consomme. Comment des pays comme l'Inde, qui à lui seul porte la démographie de la population de l'Afrique entière, ou encore le Brésil, qui était au même stade de certains pays de l'Afrique il y a moins de 30 ans, est aujourd'hui la quatrième grande puissance agricole du monde et sont tous autosuffisants de nos jours en produits alimentaires de base. C'est en partant de ces questionnements, de ces constats, que nous avons analysé des causes de ces dernières et que nous avons travaillé sur des pistes de solutions. Je ne vous en soumettrai que quelques-unes. Je vais être celle qui va respecter le plus mon timing. L'agriculture ne devrait-elle pas devenir un levier structurel de l'économie? Rien n'est possible ou ne le sera sans l'entrepreneuriat agricole. Et c'est ce que je prône tous les jours sur les réseaux sociaux. Je pars du principe que je suis jeune et je suis la voix des jeunes. Et donc, je m'adresse à eux là où ils sont, pour prôner ce dont je parle aujourd'hui, qui est l'entrepreneuriat agricole. Est-ce que vous saviez que les jeunes sont prêts à payer entre 5 et 7 millions de francs CFA pour quitter le pays, parfois clandestinement, pour une vie meilleure et se noyer malheureusement dans les abîmes de la Méditerranée? Alors qu'avec ces 5 millions et un appui conséquent du gouvernement, un projet agricole de même pas un hectare peut être mis en place et générer le double ou le triple en même pas deux ou trois campagnes? Ne faudrait-il pas investir dans le capital intangible qui est le capital humain, donc nous, la jeunesse, qui développera le capital produit, donc la machine, les infrastructures, les équipements, la technologie, pour une optimisation du capital naturel, donc les ressources naturelles? Je laisse donc cette dernière question à votre réflexion.
Je m'appelle Claudia Senghor, je suis Mensa. Merci à tous. Monsieur Guy-Robert Loukama, pour le volet mine des ressources naturelles, et on espère avec la même discipline sur le timing. Quand on arrive à la 4. Mesdames, messieurs, je voudrais commencer mon propos par une phrase précise qui devrait faire réfléchir tout Africain. On est doté de ressources naturelles qui rendent les autres riches. Je répète, on est doté de ressources naturelles qui rendent les autres riches. Cette situation est devenue au fil des temps un choix collectif, inconscient ou pas, mais une trame devenue naturelle dans les comportements des gouvernants, des intellectuels, de la société civile et des citoyens lambda. Nous devons tous sortir de ce dangereux paradigme, servir le monde sans se soucier de l'intérêt bien compris des communautés dont sont issues ces ressources naturelles. Pourquoi ? Simplement parce que les ressources naturelles ne sont pas renouvelables pour l'essentiel. Et donc, à terme, elles disparaîtront. Et si pendant qu'on en est propriétaire et qu'on en a la maîtrise, nous ne transformons pas durablement nos pays, nous aurons été collectivement des profonds irresponsables. Deux, parce que ces produits peuvent par décision devenir obsolètes. Parce qu'être tributaire d'un pays qui a tout l'essentiel des ressources de bauxite ou de cobalt est un embêtement pour certaines personnes, certains pays, certaines multinationales, et qu'il y a lieu de trouver une compensation à cela, sinon ça deviendrait compliqué dans le modèle préétabli libéral. C'est aussi parce que cela rend notre sort tributaire de la fluctuation des prix qui sont fixés ailleurs. Je voudrais vous donner un exemple probant, celui du Congo, mon pays, où le cobalt, nous avons plus de 70% des réserves du monde, et le monde se bat à dépenser des milliards en recherche et développement pour se passer de ce cobalt dans les batteries. Et chaque jour qui passe, si on ne se ressaisit pas à entrer dans la chaîne de valeur, dans 10 ans, dans 15 ans, ça sera un produit obsolète. Je donne un exemple d'un autre pays et d'un autre temps, l'Europe. Ceux qui ont fait la deuxième révolution industrielle avec le charbon ont développé l'Alsace, la Lorraine, ont développé Charleroi et d'autres pays. Et le jour qu'on a trouvé le pétrole en Arabie, ce charbon est devenu obsolète. Donc ce n'est pas spécifique à notre sort, c'est par rapport aux intérêts du moment et qui prévalent. Et si nous nous amusons à juste servir et plaire aux autres, rester dans ce qu'on appelle les industries extractives et non de transformation, quel que soit le produit que nous maîtrisons, si la valeur ajoutée n'est pas faite sur place, si elle n'est pas transférée sur place, nous serons des pays peuplés de gens obsolètes et particulièrement irresponsables. Comment faisons-nous pour pouvoir rompre avec ce paradigme préétabli ? En prônant la transformation locale. Mais la question qui se posera, elle a été évoquée, d'où viendront les ressources pour pouvoir le développer. Premièrement, et ça a été évoqué dans un des chantiers, la première ressource à mobiliser, c'est la ressource humaine. C'est sédentarité des compétences, et surtout, comme on l'a dit ici, ne pas se contenter de faire des écoles générales, mais des écoles adaptées à nos enjeux. L'Asie du Sud-Est nous a montré l'exemple,
Il est temps qu'on arrête de se plaire d'avoir des PhD dans des choses qui ne nous servent à rien. Je disais donc qu'il faut qu'on améliore ses compétences, mais qu'on les sédentarise. Et là, je fais un appel à la diaspora. Il est temps de revenir avec ce que vous avez appris pour consolider ce que nous voulons faire dès à présent. Le troisième point, c'est la mobilisation des ressources de capital. On va vite chercher à l'extérieur pendant qu'on ne met pas en place des systèmes pérennes de collecte de l'épargne locale. Ces dépôts qui sont dans les banques, chèques en a parlé, il faudra qu'on réfléchisse ensemble à protéger la meilleure allocation des capitaux vers ce dont on a besoin. Si nos allocations servent à importer, on se tue nous-mêmes. Si elles servent à investir localement, quel que soit le niveau de transformation, nous changerons la face de nos pays, nous changerons la trajectoire parce que nous créerons des emplois, nous donnerons l'espoir à nos jeunes, mais surtout on créera de la valeur, de la prospérité. Et on pourra décider de notre sort et des institutions qu'on voudra pour vivre en paix. Je voudrais aussi rappeler qu'il est nécessaire qu'on ait ensemble, tous Africains, pas uniquement les pays supposés dotés de certaines ressources naturelles, réfléchir à des activités transfrontalières et de recherche de prospérité partagée. Encore, je prends un exemple. Aujourd'hui, la Zambie et le Congo travaillent ensemble sur des ressources complémentaires, à réfléchir à créer de la valeur sur la batterie, puisqu'ils ont le cuivre et le cobalt. Et aujourd'hui, dans cette logique-là, l'électricité ne viendra pas forcément du Congo pour pouvoir transformer, mais peut-être de la Zambie. Que l'Angola sera joint à cet exercice parce qu'elle a les infrastructures pour arriver à travers le corridor au port de Lobito. Ayons le courage de pouvoir partager la prospérité. C'est une des sources de paix, de sécurité et de stabilité. Mais que, entre nous, Africains, on arrête d'avoir la convoitise envers l'autre et servir de suppôt à ceux qui peuvent aujourd'hui détruire nos économies. Changer de paradigme sous-entend aussi que nous tous, nous acceptions les réformes douloureuses. Il y a certaines réformes qui ont déjà été évoquées par nos amis, celles qui sont relatives au système d'éducation, aux institutions, mais la chose la plus importante que nous devons avoir à l'esprit, nous ne mettons pas nous-mêmes des bémols et des retenues. Qu'on ne nous évoque pas les problèmes d'impact environnementaux. Nous n'avons pas le plus pollué au monde. Nous avons besoin de développement. Qu'on ne nous impose pas la difficulté de lever des fonds sur les infrastructures. Nous devons réfléchir différemment, mais oser le faire. Nous avons la particularité avec cette Afrique d'avoir les sources d'énergie les moins polluantes. Osons les mettre ensemble pour transformer nos pays. Et à ce moment-là, les ressources naturelles ne seront plus une source de malheur, mais une source de prospérité. Je vous remercie. Merci beaucoup, Guy Robert. Je crois qu'il a pris plus d'un au dépourvu. Il est celui qui, finalement, aura respecté le mieux le temps. Merci beaucoup, Guy Robert. Alors, parlant de ressources naturelles, cela m'a inspiré une question également. C'est sur un pays qui fait l'actualité ces derniers temps, beaucoup plus que d'autres, à savoir le Niger, qui est l'un des plus grands producteurs d'uranium au monde. Et la question qu'on peut se poser, c'est comment pendant tout ce temps, un pays comme le Niger produit de l'uranium et à aucun moment, un dirigeant de ce pays n'a pensé qu'il fallait même un tant soit peu avoir ne serait-ce qu'une centrale nucléaire provisoire. En d'autres termes, le Niger fait l'uranium et la France est l'une des premières puissances nucléaires au monde
pendant que les Nigérians souffrent dans l'obscurité. C'est un réel paradoxe que nous espérons sera corrigé dans les jours à venir. Madame, Monsieur, nous sommes maintenant arrivés à une autre phase de notre rendez-vous. Et cette phase consiste à des questions-réponses. Mais vous allez souffrir un peu, parce qu'avant de vous passer la parole, nous allons nous poser des questions et répondre nous-mêmes. Ne vous demandez pas d'où ça vient, dites-vous juste que c'est de la disruption. Vous êtes très nombreux, à travers les réseaux sociaux, depuis l'officialisation de Mansa, à avoir posé plusieurs questions. Nous avons donc sélectionné quelques-unes et nous allons donner la parole à certains de nos membres cofondateurs pour vous apporter des éléments de réponse. Comme ça, c'est fait et le débat est clos. Première question, qui finance Mansa? C'est la question qui est revenue très souvent. Et je vais laisser le financier d'entre nous, à savoir M. Cheikh Travali, nous apporter la réponse. Il vaudrait peut-être mieux, Cheikh, que tu ailles de l'autre côté, étant donné que le micro marche déjà, pour nous donner la réponse à cette question. J'ai combien de minutes? 5, 10, 15? Non, non, pas du tout. Une minute exactement. Alors, rapidement. Quand on se lance dans une aventure comme Mansa, vous suscitez trois types de réactions quand vous en parlez autour de vous. La première réaction, c'est l'indifférence. La deuxième réaction, les gens rigolent, vous traitent de doux rêveurs. La troisième réaction, vous êtes un dangereux activiste. Pour dire quoi? Pour dire que personne ne mettra un franc dans Mansa. Donc, ça fait un an que nous travaillons ensemble. Ça fait un an que nous nous réunissons dans plusieurs pays d'Afrique, l'Afrique du Sud, le Sénégal, le Togo. Ça fait un an que nous voyageons, ça fait un an que nous faisons des recherches. Tout ça a été autofinancé par chacun des membres de Mansa. C'était bien parce que ça nous a permis de choisir en toute indépendance les sujets que nous voulions traiter. On ne dépendait de personne. Ça nous a permis également de choisir en toute indépendance la direction dans laquelle nous voulons y aller. Maintenant que nous sommes sortis du bois, que nous allons formaliser notre existence, c'est un modèle artisanal qui ne peut pas continuer. Donc nous avons décidé de nous formaliser, nous avons créé une société qui s'appelle Mansa SAS, qui est une société par action simplifiée, dans laquelle chacun des membres cofondateurs est actionnaire à part égale. Pourquoi nous avons décidé de faire ça? C'est que nous voulons pérenniser Mansa et nous voulons que Mansa soit indépendant. La seule façon de le faire, c'est d'avoir des activités génératrices de revenus. Et c'est comme ça que nous avons créé ce véhicule qui va nous aider à avoir des activités génératrices de revenus. Merci beaucoup, cher. Je pense qu'on ne peut plus être clair. Donc c'est un message adressé, je vois plusieurs ministres ici, hein, c'est un message adressé aux différents gouvernements et aux chefs d'État. N'essayez même pas. Ce n'est pas la peine. Nous avons tenu à être financés nous-mêmes parce que nous voulons être totalement autonomes. Cher, tu es parti très vite. Il y a une autre question dont il te revient la charge de répondre. C'est justement pourquoi Lomé, puisque tu viens de nous informer que la société Mansa a été créée ici à Lomé. Pourquoi? Pourquoi pas? Mais pourquoi? Ok, c'est une boutade, mais très sérieusement. Nous sommes 15 membres cofondateurs. On vient de beaucoup de pays d'Afrique. Certains sont domiciliés en Europe. Alors, Mansa, les activités de Mansa, ça nécessite beaucoup de voyages, beaucoup de déplacements et des conférences comme celle-ci. Il se trouve que l'aéroport de Lomé est un véritable hub international. De Lomé... De Lomé, vous pouvez joindre n'importe quelle capitale en Afrique subsaharienne, parfois par des vols directs de moins de 3-4 heures de temps. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, la diaspora est un élément important pour nous. Donc, de Lomé, vous pouvez joindre facilement les États-Unis par vol direct et tous les pays d'Europe par vol direct.
Donc, ça, c'est une des premières explications. La deuxième explication, c'est que nous avons des facilités qui sont aux standards internationaux. La sécurité n'est pas un sujet de discussion au Togo. Et donc, c'est la deuxième raison. La troisième raison, je pense qu'on ne s'est pas trompé, le nombre d'organisations internationales panafricaines, financières ou non financières, qui ont choisi de faire de Lomé leur hub, nous donne absolument raison. Donc, Lomé is the place to be. Alors, je vais appeler maintenant le docteur Elie Kamge à se présenter au pupitre, parce qu'on va lui poser également une question centrale. C'est la place accordée à la diaspora au sein de Mansa. Docteur Elie Kamge. Oui, tout à fait. On m'a demandé un petit peu de parler de la place que la diaspora peut occuper au sein de ce projet. Nous qui avons énormément travaillé depuis 15 ans sur la diaspora, nous nous sommes rendus compte que l'impact des actions de la diaspora au jour d'aujourd'hui a longtemps souffert d'un manque de coordination. Ce qui fait que les actions de la diaspora n'impactent pas. D'où vient ce manque de coordination? Ça vient de trois faits. Aujourd'hui, en Europe principalement, nous avons cette diaspora qui hésite entre s'implanter dans les pays d'accueil ou revenir sur le continent. Nous avons aussi le tiraillement entre les exigences de la première génération, ceux comme moi qui ont eu la chance d'être nés en Afrique et qui sont aujourd'hui résident à l'étranger, et aujourd'hui, bien sûr, nos enfants, deuxième et troisième génération, qui sont de plus en plus nombreux en Europe. Nous n'avons pas les mêmes visions de l'implication de cette diaspora dans le développement du continent. Et le troisième tiraillement vient de cette différente classe de diaspora. Vous avez ceux qui sont allés faire leurs études, et bien sûr, il y a aussi ceux qui sont allés pour des raisons économiques ou bien des réfugiés, qui n'ont pas la même vision du développement du continent. Ceci, aujourd'hui, fait que cet effort de la diaspora ne trouve pas son sens optimal. Nous estimons aujourd'hui la diaspora à près de 7 millions de personnes en Europe. Bien sûr, il y en a en Amérique du Nord qui nous suivent sur les réseaux sociaux et qui suivent cet événement. Cette diaspora, pour nous, c'est capital, c'est un enjeu capital au sein de Mansa pour comprendre les attentes, leurs besoins, leurs désirs et de voir ensemble comment nous pouvons créer un nouveau modèle qui puisse permettre à cette diaspora de s'impliquer dans le développement du continent, d'être plus impactant que ce qu'on fait jusqu'à présent. Considéré comme un prescripteur pour les familles restées dans les pays, considéré comme des personnes qui aujourd'hui sont des relais d'information, des relais d'opinion au point de vue international, la diaspora pour nous, ce sont les meilleurs ambassadeurs du continent. C'est ainsi que Mansa se définit comme un impératif stratégique pour la diaspora. Mansa se donne pour ambition d'être un espace optimal, réunissant les conditions d'un brassage efficace de compétences pluridisciplinaires entre les membres de la diaspora, les porteurs de projets sur le continent, les investisseurs sur le continent et les acteurs économiques de premier plan sur le continent. Longtemps associé à une fuite de cerveau, la diaspora aujourd'hui, au contraire, est un puissant levier de développement. Il faut savoir l'utiliser. La diaspora brille essentiellement par les transferts de compétences, les ressources humaines, on le connaît tous. La diaspora aussi brille par les transferts de services, les transferts technologiques, on en a parlé tout à l'heure, on en a tous besoin. Mais la diaspora brille essentiellement par les transferts d'argent. Les diasporas africaines transfèrent près de 60 milliards de dollars sur le continent par an. Et nous sommes les premiers à ignorer que nous sommes les premiers bailleurs de fonds sur le continent, puisque les 60 milliards que nous transférons sur le continent dépasse les investissements directs qui est autour de 40 milliards, oui,
et l'aide publique au développement qui est autour de 30 milliards. Mais les diasporas sont bien évidemment les premiers bailleurs de fonds sur le continent. Merci, Elie. Pour conclure, comment optimiser donc au mieux cet apport de la diaspora? C'est pourquoi Mansa s'ouvre à cette diaspora et il est essentiel que la diaspora s'approprie cette dynamique collective de Mansa pour devenir un acteur de changement. Pour terminer, comme vous le savez, l'Afrique s'est fait voler le 19e siècle par l'esclavage, le 20e siècle par la colonisation. Nous voici donc au 21e siècle. À nous de savoir comment faire pour préserver notre culture, notre patrimoine, notre histoire. Si nous ne le faisons pas, c'est les autres qui nous l'imposeront. Merci. Merci beaucoup, Elie. Merci. Je vais inviter à présent Madina Dansoko pour répondre à la question sur la place de la jeunesse. Et pendant qu'elle s'installe, je pense que Guy Robert l'a dit, nous avons absolument besoin de notre diaspora. Mais il faudrait qu'on sache ce qu'on attend d'elle. Je pense qu'on est tous d'accord, la technologie, ça ne se transfère pas. Ça se vole. Donc vous, les parents, là, quand vous envoyez vos enfants à l'étranger apprendre, dites-leur que le but, c'est d'aller voler la technologie pour ramener ça sur le continent. Personne ne va nous la donner. Personne n'a donné la technologie aux Chinois pour qu'ils soient la première puissance commerciale du monde aujourd'hui. On s'est moqué longtemps d'eux en précisant que c'était des copieurs et on a vu aujourd'hui que c'est le copieur qui est copié. La Chine aujourd'hui est une référence commerciale. L'Afrique devrait s'en inspirer. Madina Dansoko va répondre à l'épineuse question de la place que nous accordons à la jeunesse. Alain Foucault aime le dire, l'Afrique est le continent le plus jeune au monde. Alors, peut-on transformer l'Afrique sans ceux qui sont les plus nombreux? Madina. Merci. Mansa ne donne pas une place à la jeunesse. Mansa est pour la jeunesse africaine. Alain Foucault l'a dit, sa génération et celle de ses aînés ont échoué. Au moins, ils ont eu le courage et le mérite de le reconnaître. Mais ils nous ont transmis les codes pour pouvoir déchiffrer et comprendre les enjeux économiques et géostratégiques du monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Ils nous invitent à repenser l'Afrique, à lui donner une nouvelle trajectoire pour lui restaurer sa grandeur. La balle est dans notre camp. Saisissons-la avec engagement et responsabilité. Nous n'avons plus droit à l'erreur. Nous ne pouvons plus nous tromper. Nous devons ensemble, main dans la main, construire l'Afrique qui gagne, construire l'Afrique des vrais Mansa. Je vous remercie. Merci, Madina. Alors, la dernière question va être adressée à Alain Kasha. Ça, c'est l'élégance faite homme. Alors, Alain, tu as hérité de la question que tout le monde voulait absolument, à savoir, comment devient-on Mansa? Alain. Merci beaucoup, Jules. Comment devenir Mansa? Rappelons-nous d'abord que nous avons choisi le nom Mansa en mémoire de l'homme le plus riche de l'humanité, Moussa Mansa. C'était un Africain. Nous voulons que chaque Africain, de là où il est, il puisse réfléchir, agir, réagir non pas pour sortir de la pauvreté, mais pour devenir riche et prospère. De là où chacun est, il devrait réfléchir, agir et réagir pour devenir riche, comme Moussa Mansa l'a été, et pas seulement lui, son voisin et ses frères et ses sœurs.
Être Mensa est donc un état d'esprit, une manière de vivre, une manière de penser, une manière de réfléchir pour que, justement, on converge vers cette prospérité. Rejoignez Mensa, ou devenez Mensa, non seulement en vous inscrivant sur nos plateformes digitales, parce qu'elles vont nous permettre de rester en contact, elles vont nous permettre d'interagir, d'enrichir notre réflexion, mais aussi, de là où vous êtes, autour de vous, assurez-vous que vous pensez, vous agissez, vous réagissez avec les autres Mensa de votre environnement pour que vous apportiez votre pierre à l'édifice et que vous contribuiez à cette prospérité, pas seulement matérielle ou financière, mais même culturelle, même des valeurs, même morale, pour qu'il y ait plusieurs Mensa et que l'Afrique sorte de là où elle est. Nous sommes tous Mensa, je vous remercie. Merci beaucoup Alain. Madame, Monsieur, nous sommes arrivés à la phase où nous allons vous écouter. Nous avons beaucoup parlé et nous serons incohérents si nous ne donnons pas la possibilité à certains d'entre vous de poser des questions. Le temps imparti est très court, donc je vais inviter les uns et les autres à être précis. Et si vous avez une question, il serait judicieux de préciser à qui est-ce que vous la posez. Je vais demander aux hôtesses de prévoir des micro-baladeurs pour pouvoir justement les passer à ceux qui vont poser des questions. On peut commencer rapidement. Vous levez juste la main et les hôtesses viendront vers vous. Allô, je peux remercier. J'ai la chance d'être le premier. Je suis Guy Blaise Kamle, je suis de la Banque africaine de développement. Économiste en chef pour l'Afrique de l'Ouest. Mais je suis ici à titre personnel pour l'amour, pour l'Afrique et surtout pour cette initiative que j'apprécie énormément. Bon courage pour ce que vous êtes en train de faire. J'aurais une question assez rapide pour ne pas perdre le temps. Comment est-ce que Mensa pense à connecter ce qui est fait avec les autorités qui sont chargées de mettre en œuvre? Je vais dire vous avez une bonne équipe qui va identifier les contraintes de l'Afrique, qui va même identifier les pistes de solutions. Mais une fois que cela est fait, comment faire en sorte que ceux qui sont en charge de mettre en œuvre ces solutions puissent les incugiter, les prendre cela sur eux? On a dit tout à l'heure ici, par exemple, le cas de nos dirigeants qui ne sont pas légitimes. Ça, c'est une vérité. Bon, une fois qu'on a dit ça, on fait comment? On organise des coups d'État ou alors on parle dit... Oh, on parlait. Merci beaucoup. Merci. Bon, ok, je m'arrête là. Je crois que bon. Votre question a été bien comprise. Je vais demander au président Alain Foka de répondre à la question. Je croyais qu'on avait dit qu'il choisirait qui répondrait à la question. Comme il n'a pas choisi, j'étais démocratiquement choisi. C'est ça la démocratie. Mais je croyais que tu n'étais pas spécialement amoureux de la démocratie. Ça, c'est notre démocratie. Bien, c'était quoi la question en fait? Alors, comment est-ce que le produit de Mensa va être inséminé auprès des décideurs? Parce qu'en fait, on a beau faire ce qu'on fait là, mais personne parmi nous ici n'est chef d'État, encore moins ministre. Comment on fait? Heureusement, on n'est pas chef d'État. On peut proposer et en toute liberté. Donc je crois que la société évolue à un rythme impressionnant. Où hier, il y avait les autres, c'est-à-dire les grandes puissances, qui imposaient leur point de vue à nos dirigeants, et eux qui exécutaient, qui étaient ceux qui exécutaient les basses œuvres. Ils étaient aux ordres. Quand je dis hier, ça existe encore aujourd'hui, hein. Il n'y a qu'à voir ce qui se passe en Afrique de l'Ouest, où on leur demande de faire la guerre à leurs propres frères. Mais aujourd'hui, il y a une opinion publique qui est née. Et cette opinion publique est tellement forte que ces chefs d'État sont obligés d'écouter l'opinion publique.
nous sommes du côté de l'opinion publique. Et nos résolutions, nos propositions seront portées par cette opinion publique. Parce que nous savons qu'aujourd'hui, quand l'opinion publique a adopté quelque chose, les chefs d'État n'ont plus le choix. Ça s'impose à eux. Donc, je pense aujourd'hui que c'est vous, notre support, pour pouvoir transmettre ces décisions, ces choix, ces résolutions, les conclusions de ce travail aux dirigeants qui seront obligés, contraints de les accepter. Parce que sinon, le vent qui souffle va les emporter. On n'a qu'à voir aujourd'hui. Il suffit que le vent souffle fort pour que nos amis en uniforme sortent des casernes. Je l'ai dit, quand on parle de coup d'État, généralement, on ne voit que lorsque les hommes en treillis sont arrivés à la télévision pour parler. Mais les Maliens qui sont là savent très bien que c'est parce que les gens sont sortis dans la rue que n'interprétez pas ce que j'ai dit, hein, je dis bien les choses. Je dis bien que le président Ibrahim Boubacar Keïta a été chassé par la rue, pas par les militaires. Il faut qu'on soit clair. Les militaires n'ont fait qu'exécuter ce qu'une certaine rue avait décidé. Et c'est de plus en plus cela. Et je pense que les dirigeants que nous aurons ont intérêt à écouter la rue plutôt que Paris, Londres ou Washington. Parce que nous proposons quelque chose à la rue. Merci. Merci Alain. Je vais donner la parole de façon tout à fait démocratique au ministre Robert Doucet, son Excellence, parce que je tiens à préciser que nous sommes ici en marge du Peace and Security Forum de Lomé, qui est organisé par l'État togolais. Monsieur le ministre, Excellence, vous avez la parole. Merci. Je voudrais d'abord vous féliciter. Mais c'est une question que je pose de manière naïve, pas en tant que ministre, mais en tant que fan de Mansa. But I would like to know, I'm not francophone, I'm not French-speaking guy. Yeah. But I would like to know, is Mansa is only for French-speaking people or no? Because first we didn't have the headset. Yeah. You are online. I'm not. If you are not francophone, can you be member of Mansa? So, pourquoi c'est seulement en français? C'est seulement pour les francophones et nous qui sommes les lusophones, les africanophones, est-ce qu'on est concernés? Vous aurez pu dire les évophones, les véphones. Je pense que c'est la langue qu'on parle ici. C'est une très belle question. Je vais proposer à Maître Fatoumata Sidibé Diarra d'y répondre. Merci, Monsieur le ministre. Merci d'avoir déclaré votre engagement aux côtés de Mansa officiellement. Je vous en remercie. Alain l'a dit dans son introduction, lorsqu'on a une habitation, si on prend l'Afrique comme une habitation qui est extrêmement sale et poussiéreuse, on ne peut pas commencer le nettoyage dans toutes les pièces de la maison. Il faut commencer dans l'une d'entre elles. Nous avons commencé par la plus sale, la plus difficile, c'est-à-dire notre espace francophone qui est en retard, qui a la remorque du reste de l'Afrique. Merci. Monsieur le ministre, pour les headphones, on nous a dit que le Peace and Security Forum avait pris tous les headphones de Lomé, donc nous n'avons pas pu nous en produire. Donc, vous voyez que finalement, c'est de votre faute que nous n'avons pas pu avoir cela. Erickson, peut-être une petite traduction très brève en anglais. Je suis très bilingue, mais à mes heures voulues. Yes, just maybe to provide a translation of what Fatoumata just said. Mansa is Africa, if you were, but as Alain mentioned initially, when you want to clean a house, you cannot clean each room at the same time. You need to start room one, room two. And it appears that the room that is the dirtiest is the room so-called Francophone Africa. And we as Mansa thought that it would make sense to start cleaning this first. So that's the position. Oh.
Merci beaucoup, Erickson. Il nous reste très peu de temps. On va donner la parole à la dame. Il y a une dame à côté qui demande la parole. Il y a un monsieur qui avait déjà le micro. Non, non, ne reprenez pas. Laissez le monsieur parler et puis après, on donnera la parole à la dame, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Je m'appelle Vincent Kodiokudo. Je suis directeur de société, conseil juridique et fiscal. Je suis spiritualiste également. Nos frères occidentaux qui étaient venus dans le cadre de l'esclavage, la traite négrière plutôt, et la colonisation, sont venus par la force des armes, c'est vrai, mais également par la force de l'esprit. Et dans les exposés que je viens d'écouter, le volet spirituel, je ne parle pas du volet religieux, le volet de la science de l'esprit n'a pas été évoqué. Je ne sais pas la commission qui s'occupe de la science de l'esprit. Voilà. Merci beaucoup. Alors, les Mamsa, qui veut s'y coller? Qui veut répondre? Alain a pris le micro. Vous avez bien raison. Vous avez bien raison parce que c'est par là qu'on nous a le mieux colonisé. Et croyez-moi, on travaille dans la commission institution, gouvernance et valeurs sur la question. Et vous aurez remarqué que nous avons tenu absolument, et je devais le dire à la fin de cette rencontre, à ce que des chefs traditionnels soient ici avec nous parce que nous allons leur demander leur bénédiction. Nous y croyons fermement, très fermement, au fait que nous devons retourner à notre identité réelle et que ça passera par les chefs et que c'est à eux qu'on doit redonner le pouvoir réel. C'est eux qui désormais doivent être consultés au lieu d'aller chercher la CEDEAO pour nos grands problèmes. C'est eux. De là à ce qu'on interdise aux membres de Mansa de survoler certains espaces aériens, je pense qu'il n'y a qu'un pas. On va donner la parole à la dame. Je tiens, madame, monsieur, à nous excuser dès à présent. Tout le monde ne pourra pas parler. Nous en sommes désolés. Mais comme vous le savez, ce n'est qu'un départ, ce n'est que le début. Donc je vais déjà nous excuser auprès de ceux qui vont lever la main et qui ne pourront pas s'exprimer. Nous avons d'autres canaux qui vous permettront de participer à cet échange. Madame, vous avez la parole. Merci beaucoup. Ma question, je pense qu'elle s'adresse à vous tous. Je pense que tout Africain responsable ne peut qu'être Mansa, et je suis Mansa. Alors, lorsque j'ai envoyé le lien pour inviter des gens à venir suivre cette rencontre, on m'a posé une question que je vous transmets. J'ai essayé de répondre à ma façon. La question, c'est la sécurité humaine. Vous savez que les sujets que vous touchez, la manière de les aborder, fâche. La question de la sécurité de vos personnes, est-ce qu'elle vous préoccupe et comment vous l'abordez? Ça, c'est un. Lorsque nous regardons aussi le profil, on a des entrepreneurs, des médecins, des avocats, etc. Mais je n'ai pas vu un profil chercheur. Comment les membres ont été cooptés? Comment ça se fait? Merci beaucoup. Merci, merci. On va prendre une dernière question et on va aller au fond parce que justement on n'a pas suffisamment donné la parole au fond de la salle. Il faut qu'on réponde à madame. On va répondre déjà à madame très rapidement. La question de la sécurité, qui parmi vous ici a peur pour sa sécurité? Moi. Non, très sérieusement, c'est vous qui pouvez nous protéger. C'est vous nos assurances vie. Ça fait un certain temps que tout le monde s'inquiète pour ma sécurité à moi. Et mon épouse qui est dans la salle commence à avoir des grandes frayeurs. Plus on avance, plus elle se demande comment ça va se terminer. Mais c'est vous, ma sécurité, c'est vous, notre sécurité. Et si on continue d'avoir peur de dire ce qu'on a à dire, de faire ce qu'on veut faire à Mansa, de mettre le doigt sur nos vrais problèmes, en disant notre sécurité est menacée, ils auront gagné. Mais s'ils savent que s'il y a un truc comme celui-là, vous allez réagir de la plus ferme des façons,
je pense que ça va calmer un certain nombre de gens. Parce que ceux qui attaqueront ont forcément des intérêts. Et on sait où ils sont. Merci beaucoup, Alain. Et comme disent les Ivoiriens, pour enchérir... Ah, le profil du chercheur. Le profil, justement. Nous avons ici quelqu'un dont la passion, c'est ce que vous avez évoqué. Et je pense que je préfère lui donner la parole parce que il est là, je n'ai pas parlé de lui. Alors, le mouvement Mansa est né pas d'abord comme un groupe de recherche au sens orthodoxe. Encore que dans la disruption dont nous parlons, je ne suis pas sûr que les meilleures contributions viendraient des gens étiquetés universitaires. Je ne suis pas convaincu. La sagesse, finalement, est immanente. Hein? Et ce n'est pas parce que les gens sont lettrés en français, ont des diplômes, qu'ils ont le monopole de la connaissance. Cela dit, je suis moi-même universitaire. La plupart des gens ici ont un niveau qui leur permet de prétendre être chercheurs. Par ailleurs, à ce stade de notre développement, ben, il a fallu que chacun de nous investisse de l'argent. Vous imaginez bien que, tel qu'on vous décrit le processus, ben, il a fallu dépenser. Peut-être que c'est un critère qui, à ce stade du premier noyau, était peut-être sélectif. Maintenant, on va à une autre deuxième phase où ça va être très inclusif. Et non seulement beaucoup d'intellectuels vont nous rejoindre, mais on aura la capacité et la possibilité de mettre en lumière les travaux des Africains orientés afrocentrés qui jusqu'à présent n'étaient pas beaucoup valorisés. Donc, la recherche, elle est permanente dans la dynamique Mansa. C'est d'abord une structure qui fait on appelle ça... Personne ne va t'aider, Serge. Trop... on fait d'abord dans la prestation intellectuelle, voilà, même si accessoirement on peut travailler sur des projets dont la recherche est au cœur de ce que nous faisons. Mais cessons de croire que les savants, entre guillemets, ont le monopole des solutions pour la recherche. Merci beaucoup, Serge. On va donner la parole à juste une dernière personne. Je voulais juste renchérir par rapport à Alain, par rapport à la question de Madame sur la sécurité. Qu'il soit bien clair, Madame, si nos dévanciers, Lumumba, Sankara, Nkrumah, Niobe et autres, avaient pensé à leur sécurité, nous serons dans la plupart de nos États encore en train de chanter la Marseillaise. Donc, à un moment donné, il faut arrêter avec ça. Donnez le micro au monsieur, il a tellement envie de parler. Merci, merci monsieur. Je m'appelle Oumarou Mama Abdoul Nasser. Je suis enseignant d'histoire, géographie et géopolitique. Et vraiment, pour commencer, c'est pour vous dire merci. Et que mon rêve vient d'être réalisé. Depuis que j'ai commencé, mon père m'a donné le nom Abdoul Nasser. Depuis l'université, j'ai créé Jeunesse panafricaine pour l'Union. Comment nous pouvons faire pour faire développer notre continent? Mais après l'université, je n'avais pas de plateforme. Aujourd'hui, j'ai Mansa et je suis le 16e cofondateur. Que Dieu bénisse l'Afrique. Merci. Que Dieu bénisse l'Afrique. Nous irons loin. Je vous remercie. Que chacun se réveille. Dieu dit dans le Saint-Coran qu'il ne change pas l'homme, la vie des êtres, sans que nous-mêmes nous ne changeons notre société. Alain Foucault, en avant, nous sommes avec vous. Que Dieu bénisse l'Afrique. Merci, merci beaucoup. Merci. Je pense qu'après l'avoir écouté, on peut comprendre pourquoi il était important qu'il prenne la parole. Madame, Monsieur, malheureusement, nous n'avons pas assez de temps parce que, comme vous le savez, nous sommes en marge d'un événement qui se poursuit. Donc, nous allons, sans plus attendre, certainement prendre congé de vous. Nous allons appeler Monsieur Alain Foucault, qui est le président de Mansa. Je ne sais pas encore pour combien de temps. En ces temps où les coups d'État sont à la mode, ça suscite des vocations. Et on voit que les militaires sont devenus de véritables stars.
Alain, ton mot de fin, avant que nous nous reprenions la parole, Erickson et moi, pour donner quelques modalités pratiques à tous les Mansa qui sont venus nous écouter cet après-midi. Il ne faut pas que ça te traverse l'esprit, cette idée de coup d'État. Tu n'as pas de militaire, j'en ai. Et ils sont de mon côté. Non, très sérieusement, je n'ai pas grand-chose à dire en réalité, puisque tout a été dit. Je voudrais juste avant de terminer, parce qu'il n'a pas été suffisamment sous la lumière, il est mon compère de toutes les circonstances, il représente la jeunesse que nous avons envie d'accompagner, parce que ce qu'on fait, c'est pour la jeunesse, je l'ai toujours dit, mes aînés et ceux de ma génération ont échoué, c'est un échec collectif, on ne va pas faire semblant, et j'ai envie de montrer ceux qui doivent prendre la main, qui doivent faire le coup d'État, Jules, tu es trop vieux pour ça aujourd'hui, le jeune Sébastien Fay qui est là, qui m'accompagne en toutes circonstances et qui est un brillant garçon, qui est Mansa et qui donne beaucoup, qui est dans l'ombre et qui mérite d'être à la lumière, s'il veut bien se lever. Tu veux bien te lever avec ta coiffure? Voilà. Il représente à mes yeux cette jeunesse que l'on doit accompagner. Ce n'est pas un geste de générosité. Arrêtons de faire comme si c'est de la générosité. C'est une obligation. Une obligation pour nous si nous voulons être considérés comme des êtres normaux, de sortir de cette situation, d'arrêter de ne parler que des histoires de coups d'État, de militaires, de gouvernance, etc., pour nous occuper de l'essentiel, de l'économie, du social, de la vie des gens. Les joutes verbales chez nous en pays francophone, essayons d'en sortir, s'il vous plaît. Soyez Mansa. Et arrêter avec toutes ces grandes théories qu'on nous a inculquées dans les écoles pour que nous passions des diplômes en étant tout simplement des diplômés. Soyons des intellectuels, s'il vous plaît. C'est le moment et c'est maintenant. Merci à vous. Et je voudrais, parce que c'était ce que j'avais prévu pour la fin, demander humblement la bénédiction de ceux qui représentent l'Afrique, notre esprit, nos cultures, nos traditions, nos valeurs. C'est vous qui devez faire des coups d'État. Il est venu le moment que nous nous retrouvions à travers vous. Ne rasez plus les murs. Ne rasez plus les murs du tout. Mais souvenez-vous que c'est vous notre colonne vertébrale, nos traditions. Et nous avons besoin de vos bénédictions. Si vous aimez vos enfants, sortez du bois. Ne laissez pas faire n'importe quoi. Merci à vous. Merci beaucoup Alain. Nous avons commencé cette séance par nous poser des questions. Il serait de bon ton qu'on termine en se posant d'autres questions. Et la question que j'aimerais qu'il soit la dernière que nous allons avoir cet après-midi, c'est celle du travail. L'Afrique, sans risque de se tromper, est le continent où on travaille le moins. Pendant longtemps, on nous a fait croire qu'il y avait un temps de travail. D'ailleurs, le Bureau international du travail nous donne les heures de travail. Mais on ne nous dit pas suffisamment que l'Occident a travaillé 108 heures par semaine, puis 60 heures, plus 42 heures, et aujourd'hui, dans certains pays, 35 heures. On ne nous dit pas que les Asiatiques, ceux qu'on appelle les dragons d'Asie, ne connaissent pas de temps de travail. Voilà donc un continent qui, comme on l'a dit, est en retard. Mais il court moins vite que tout le monde. Et on lui dit, c'est ce qu'il faut faire. Tu dois courir moins vite que tout le monde et nous acceptons cela. Cela veut dire, madame, monsieur, c'est le temps de mettre fin à ce type de fantasme. Il est évident que si quelqu'un a 50 mètres d'avance sur vous, si vous voulez le rattraper ou même le dépasser, vous devez courir au moins 3, 4, 5 fois plus vite que lui. Arrêtons de nous complaire de ce qui est donné à voir. Contestons la dictature des certitudes. Qu'est-ce qui nous fait croire que le soleil se lève toujours à l'est et se couche à l'ouest?
D'ailleurs, qui a décidé où se trouve l'Est et où se trouve l'Ouest? Si aujourd'hui, on décidait de faire notre propre boussole, de penser uniquement par nous, de ce que nous voulons, est-ce que ce ne serait pas là la première pierre pour la construction de cette Afrique dont nous rêvons tant? Merci encore une fois d'avoir été là cet après-midi et restons Mansa. Erickson. J'arrache un peu la parole aux plus jeunes pour rappeler que ceci n'est qu'une première. Nous serons un peu partout sur le continent. Ce n'était pas réservé à Lomé. Nous irons également en Europe. La prochaine destination est manifestement Conakry. On va encore dire, ils s'en vont chez les militaires. Et peut-être que notre prochaine destination, ce sera dans ma belle famille au Niger. Donc, encore des militaires, mais nous allons faire un tour d'Afrique pour pouvoir nous expliquer et rencontrer les uns et les autres, pour discuter avec eux. J'espère que les Maliens vont aussi nous inviter. Hein? Monsieur le ministre. Erickson. Donc, merci à tous. Comme l'a dit Jules, il faut travailler. Pour ceux qui ont envie, les membres de Mansa sont aussi des auteurs. Donc, vous pourrez retrouver au fond de la salle un certain nombre de leurs productions et de leurs ouvrages. N'hésitez pas à consommer sans modération. On vous remercie encore pour votre présence et on vous souhaite le meilleur pour la semaine qui arrive. Merci à tous et pour ceux qui sont au Peace and Security Forum, on enchaîne directement derrière. Merci à tous. Merci.